Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité et même à ses devoirs. Je suis la liberté. Je me suis fait agresser. Je voulais m'exprimer, libérer mes mots et mes pensées, exprimer mes idées, mes colères, sans inciter à la haine. Je suis la liberté d'expression. Une liberté contrariée par des valeurs antirépublicaines. Une liberté condamnée à taire ses opinions. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 le défendait. Moi, citoyen, j'ai peur. Je ne veux pas vivre dans la terreur. Et la terreur, c'est le silence. Chaque jour, je me battrai contre les violences, pour la liberté d'expression. Je porterai en mon nom les valeurs que la France défend. Et s'il le faut, en criant. Je pense qu'on devrait tous parler pour dénoncer les opposants de la liberté. On vit dans un silencieux bourdonnement. On reçoit des menaces abondamment. Nous sommes malgré tout entourés de héros qui, au titre de la liberté, ne lâcheront jamais leur stylo. Nous ne muselerons pas la liberté d'expression. Pas même votre haine détrônera la liberté réelle. Je suis la liberté. Tu me vois sur les réseaux, dans les journaux. Tu me sens en toi comme puissant, naissant. Je suis la liberté. Je ne suis pas le même partout. Je suis muselé ou lâché. Et plus vous attaquerez à moi, plus mon pouvoir grandira.